Et à part drifter en bateau, je dois aller où là? Que j'ai pas de carte. Ouais, je teste les touches, hein. Yes. On peut aller là? Canal de Torna. La porte est fermée à clé. Ah bah non, du coup. Là. Je peux pas. Là. Là. Il faut un quai. Y a pas d'ennemis dans la mer. Ah ouais, non, mais c'est trop con, moi je voudrais aller là. Au pire, on y va à la nage, hein. En vrai. Bon. Là, c'est là où j'étais au tout début. Ah, de toute façon, j'aurais pas un million de choix possibles, hein. Le truc chiant, c'est qu'il faut que je longe les côtes, sauf qu'elle. Je peux pas avoir tout en visu forcément. Eh ben merde! Attendez, il y a un petit problème là. Et là sur la. Bah non, sur la gauche c'est ce truc là. Mais non, en plus je pouvais me poser là. Je pense que c'est juste que je connais pas la touche. Putain, ok, j'ai compris. En fait, j'avançais vers la côte en appuyant sur les touches. Fallait être à l'arrêt. Genre, exemple. Voilà. Tulle. À boire, à boire. Bah yes. Oui, un petit verre ne serait pas de refus. Bah yes. Bande d'alcooliques. Mon grand-père raconte qu'un gros monstre méchant a été emprisonné au fond du canal à l'est d'ici. C'est la puissance du cristal du vent qui l'a maintenu prisonnier pendant tout ce temps. Ah. Vous voulez que je vous accompagne jusqu'au club des novices? Oui. Je m'en doutais bien, je vais d'abord vous bander les yeux. Il est malade? C'est juste à gauche. Nous y sommes. Il y a un problème, ce vieux. Bonjour, vous êtes des novices? Oui. Très bien, vous pouvez entrer. Bah yes. Activez le déplacement en diagonale. Bah non, c'est très bien le déplacement en diagonale. Voyez-vous plus de détails sur le système de compétences? Oui. Que sont les classes? Ok, bon, ça on l'a déjà vu du coup. Si vos cheveux deviennent blancs, c'est que vous êtes sous l'effet de l'altération d'état vieillissement. Vous perdrez graduellement votre force. Ah, nouvel état. J'ai jamais vu cet état. N'oubliez pas de sauvegarder, ouais, merci. L'allié qui se déplace sur la carte est normalement celui qui figure en haut du menu. Okay. Les fantômes et les morts vivants craignent les sorts de gazon. Ouais, ok. Déplacez les mages et les alliés plus faibles vers la ligne arrière. Interverse. Ah, alors attendez, bougez pas. Hop, les mages à l'arrière. Explorez tous les recoins afin de découvrir les passages secrets. Par exemple, essayez de traverser le mur à ma gauche. Les voleurs possèdent la compétence œil de lynx qui leur permet de les trouver sans problème. Hey. Gagnez un éther. Et 100 balles. Les urnes et les coffres renferment parfois des trésors. Pourquoi ne pas vérifier par vous-même? C'est vrai, pourquoi pas. Et là, j'ai trouvé une potion aussi, mais... Quel talent dans le la recherche de truc. C'est un piège. Ah. Bah, c'est pas grave, on va lui péter la bouche. Ah mais je connais pas de sort. Super, j'ai des mages sans sort. J'ai gagné des mocassins, trop bien. Un accessoire. Ce sont des chaussures en cuir si vous ne savez pas ce que c'est. Merci au jeu de nous décrire ce que sont des mocassins.
T'augmentes la défense et la défense magique. Vas-y. Ah, des monstres se cachent parfois dans les coffres, la prochaine fois faites attention. Mode attente. Vous pouvez choisir le mode attente à partir de l'option machin. Mode attente empêche l'ennemi de vous attaquer pendant que vous choisissez un sort ou un objet. Blablabla. Appuyez sur C pour que mode automatique, ouais, donc ça c'est spécial pour la version PC. Pendant les combats, des chiffres sont affichés à l'écran, les chiffres blancs indiquent les dégâts infligés et les verts indiquent les HP régénérés. Merci. Appuyez sur X au combat pour fuir, attention, ok, yes. Et au plus de détails sur les compétences. Sur des compétences utiles, ouais. Double poigne. Si vous avez une arme en main et rien dans l'autre, votre puissance d'attaque double. Vous utilisez une arme à une main avec deux mains et vous frappez et vous pouvez frapper bien plus fort. Sprint. Un équipier à sprint, vous pouvez courir dans les donjons et les villes en appuyant sur retour arrière. Si un de vos alliés est un voleur, le tour est joué. Magie bleue et apprentissage. La magie bleue est l'art d'assimiler les techniques spéciales des monstres. Vous maîtrisez la compétence de magie bleue apprentissage et être frappé d'une attaque ennemie. Ce n'est ainsi que vous en souviendrez et pourrez vous en servir. Pour cette technique, utilisez magie bleue ou de mage bleu. Apprenez alors des attaques telles que Goblin Punch, Vampire ou même Rafale. Et il faut se soigner quand on appuie de vitesse. Alors les mages bleus, c'est bien simple, c'est comme Quina dans Final Fantasy IX par exemple. Alors là, l'apprentissage de la compétence c'est pas pareil, mais les compétences de monstres généralement c'est pas oufissime. Il y en a 2-3 qui sont bien et c'est particulier quoi comme gameplay. Ça tourne, j'ai trop tourné en rond. Arrête du coup. Misère, des pirates. Non, t'inquiète, ils sont gentils. Et moi alors? Bah, il fallait pas te barrer, je sais pas. 200 balles, je peux acheter un bâton pour elle. Allons-y. Bon, je peux vendre parce que là, par exemple, j'ai un couteau qui ne me sert à rien. J'ai une dague qui ne me sert à rien. J'ai une clé mort. Ça sert à rien techniquement. Donc voilà. A plus. Elle vient juste pour choper du stuff. La conne. Et là j'avais vu, voilà, évidemment, je peux mettre un petit bouclier à mon paladin. À mon petit palouf. Donc là elle va revenir. Paris. Pour qu'on puisse évidemment l'équiper. Je vais acheter deux casques pour... Bah non, mais du coup je peux pas l'équiper. C'est pas grave. Galouf qui gagne un casque. On dirait que le vent ne souffle plus aussi fort qu'avant. Si vous dirigez vers l'est et passez par le canal, vous atteindrez Walls. Walls prospère grâce au cristal de l'eau. Ouais, mais comme ils ont dit, il y a un monstre dans le canal. Certains prétendent que le monstre du canal ne s'attaque qu'aux femmes. Ah! Bah, Galouf et Baltz vont y aller, et puis les autres. Oui, hein. Alors, je peux acheter de la magie, et ça c'est intéressant. Par exemple, un sort de soin. Ou un sort de feu. Ou un sort de foudre. Ou un sort de soin de... Alors comment ça marche? Alors, attendez, parce que... Merde. Quoi? Ah oui, là on a toutes les compétences possibles de magie. Enfin, toutes les magies et les compétences plutôt. Il y a magie blanche, magie noire, donc ça on connaît. Magie Chronos. Qu'est-ce que c'est? Avec une classe que j'ai pas encore. Invoquer, donc pour les invocateurs. Magie lame. Ah, c'est des mi-guerriers, mi-magiciens. Comme dans Final Fantasy IX, où quand il y a un mage noir, enfin quand il y a Bibi du coup, et Steiner,
Ils peuvent faire une action conjointe où Bibi il met le feu à la lame et Steiner il tape. Oula, ça doit être le même délire. La magie bleue est chantée comme Edward dans FF4. Du coup, il n'y a pas besoin de l'équiper la magie. On l'achète et on l'a pour toujours. Si je me souviens bien, c'est la maison de Zoc. Très bien. Tu le connais? Oui, il a construit le canal de Torna. Ah bah parfait. Mais avant... J'aimerais bien, voilà, fouiller et trouver des mocassins. Ce serait pas bien de, voilà, de mettre à ma mâche blanche. Et là, je trouvais une queue de phénix dans l'herbe. Parfait. Alors, je vais pas aller tout de suite voir Zoc parce que ça me semble du coup être l'objectif principal. Du coup, on va d'abord finir de parler à tous les gens qui sont dans le coin. Quoi, un aérolite s'est écrasé sur le château de Zoo Tycoon. Un autre vient de s'écraser dans les montagnes à l'ouest. Eh bien. Grâce à la machine qui amplifie le pouvoir du cristal du vent, nous pouvons naviguer plus rapidement. Le bateau en provenance de Walls devrait bientôt arriver. Et non, parce qu'il n'y a plus de vent. Faites attention, la taverne est pleine de pirates. Eh oui, mais ils sont avec moi. J'ai trouvé 150 balles. Merci pour les dons. Bon, allons au pub. Voir nos amis les pirates. Allez, buvez et mangez. Malheureusement, les pirates ont déjà tout bu dans nos... Enfin, toutes nos réserves. Que là, des demoiselles dansent. Non, je ne regarderai pas. Je ne regardais pas, c'est vrai. Le capitaine des pirates est à l'étage. Allons voir. Bah, Faris qui dort, tranquillou bilou. Regardez, il n'y a rien à choper, non. Comment ça, elle dort? Attendez, je vais aller vérifier s'il dort. S'il dort, donc Faris est un homme, mais avec des cheveux longs. Je me suis fourvoyé. Bart, pourquoi fais-tu une tête pareille? Ce n'est rien, j'ai dû m'imaginer des trucs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Fais voir un peu. Ah, du coup, c'est peut-être bien une gonzesse et du coup, ils l'ont pris pour un mec. Mille tonnerres, quelle exquise beauté, c'est à vous couper le souffle. Que se passe-t-il? Vous êtes écarlate. Alors, soit ils sont tous les deux gays, soit c'est bien une meuf. Ah, j'ai dormi à point fermé. Qu'est-ce qui vous prend, vous deux? Ressaisissez-vous. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Je vous reverrai plus tard. Ah non. Ah oui, on voit clairement qu'elle a des boobs. Non, c'est clairement une femme. Je ne suis pas fou. L'espace d'un instant, ils m'ont mis le doute. Le sprite aurait pu leur mettre la... Le mot... Le mot à l'oreille. Non, comment on dit? D'où un homme peut pas avoir de blouse? Non, mais après... Je ne veux pas... Qui vous dit que je suis un homme? Non, mais... Je ne veux pas rentrer dans une polémique ou quoi, mais on est sur un vieux jeu, et très dans les clichés, hein, du coup, comme tout vieux jeu. Elle a les cheveux roses, longs, elle a des boobs. Bon, forte chance que ça soit une femme. Oh, Votre Altesse, Zoc, il y a bien, il y a longtemps que nous ne nous sommes pas vus. En effet, Votre Altesse. Zoc, pourriez-vous m'accorder une faveur? Nous devons nous rendre à Walls en passant par le canal de Torna. Mais c'est trop dangereux. Des monstres ont envahi le canal car le cristal s'est brisé. Si je t'envoie une photo d'un homme, cheveux longs, rose avec des boobs. Non, ça ira. Qui plus est, j'ai perdu la clé du canal. Je suis désolé, je ne peux pas vous aider.
Mais puisque vous êtes venu jusqu'ici, pourquoi ne pas passer la nuit chez moi? Vous savez, je suis un vieil homme, un peu seul et... Oh. Très bien, suivez-moi. Monsieur, retirez votre main de mon pantalon. Ça me gêne. Quelqu'un qui ronfle. Quel est ce bruit? Les cristaux, ils sont là. Ils sont la raison pour laquelle mon père. Trois petits points. Les cristaux doivent être protégés à tout prix. Stella, s'il lui arrive quelque chose, ne dis rien des cristaux à Bart. Ce n'est pas sa responsabilité. Les dialogues vont très vite. Hein. Oh mon chéri, ne dis pas des choses pareilles. Avec ses cheveux verts, la mère, on dirait la méchante dans FF4 After Years. D'ailleurs, YouTube aura ses VOD en parallèle de la fin de After Years. Et ça, c'est beau. Parce que ouais, After Years, au total, il y a plus d'épisodes que ce que j'ai fait sur Final Fantasy IX. Et il y en a jusqu'au 7 janvier. Et ce son est insupportable. Mais j'avais dit que c'était un vieux pervers. Père, je protégerai les cristaux, je le promets. Qu'a-t-il, Bart? Rien, j'ai rêvé de mes parents, c'est tout. Ils sont décédés. Tiens, prends-la. Qu'est-ce que c'est? C'est ma bite. La clé du canal, vous pourrez vous rendre à Walls. J'avais dissimulé la clé car j'étais inquiet pour Lena. Prends soin d'elle, d'accord? Ça marche. Éclaté bébé. Par contre, faut que je lui équipe son bâton à Lena d'ailleurs. Ah, enfin, plus ce bruit insupportable. Ah ouais, pas de douche ni rien. Allez, on y va comme des gros dégueulasses. Il y a des trucs dans ta chambre. Non. Allons donc chercher nos amis au pub. La porte est fermée à clé de l'intérieur. On peut toquer aussi. Du coup, est-ce que si je quitte la ville, ils vont me rejoindre? Ouais, voilà. Capitaine, attendez! Désolé, matelot, vous ne pouvez pas m'accompagner. Capitaine, pourquoi? On irait avec vous jusqu'au bout du monde. Je sais, pas cette fois. Capitaine! Capitaine, capitaine, vous n'êtes pas le capitaine. Je serai absent pendant un bon moment. Protégez le refuge en mon absence. Personne ne doit voler notre trésor. Mais capitaine, je compte sur vous. À vos ordres. Que le vent vous protège. On a pu, mais ok. Heureusement que c'est pas un bateau qui se déplace normalement, hein, parce que. Compétence, non, j'ai rien. Ah si, attendez, si je vais dans compétence.
Attends, y a pas la magie. Juste sauvegarder. Comme d'hab. Vaut mieux trop que pas assez. Et du coup, on pourra aller au canal. Et un truc que j'aime bien là pour l'instant, c'est que l'aventure se déroule très bien. Y a pas de lézard. Qu'y a-t-il, Lena? Le cristal du vent s'est brisé. Pour l'instant, le vent ne fait que s'affaiblir, mais bientôt il ne soufflera plus. Et dans quelques années, l'air deviendra stagnant et les oiseaux ne pourront plus voler. Mon père a dit que nous devons protéger les trois autres cristaux. Les trois cristaux? Oui, le cristal du feu, le cristal de l'eau et le cristal de la terre. S'ils se brisent tous, d'abord il ne se passera rien. Mais après un certain temps, la terre se putréfiera, les océans croupiront, et le feu perdra sa chaleur et le monde deviendra sombre et froid. Rien ne pourra survivre dans un tel environnement. Nous devons protéger les cristaux. Oh, tu as retrouvé la mémoire? Non, mais ce n'est pas grave, je vais tout de même aider Lena. Bien dit, je vais vous accompagner. Nous devons aussi retrouver le père de Lena. Le roi de Tycoon, mais il a disparu. C'est le principe de retrouver quelqu'un du coup. Il est toujours vivant, j'en suis certain. Et là, il dit certain. Il, elle, yel. Bart, viendras-tu avec nous? Bah du coup, quand je vais parler de Faris, je vais dire yel. Avant, ce n'était qu'une aventure comme une autre, mais maintenant... Les fragments du cristal. Ils nous ont donné le pouvoir nécessaire pour protéger le monde. Le pouvoir du cristal du vent. Trois petits points. C'est décidé. Allons sauver les cristaux. Tu as raison, pas une minute à perdre. Bart, où as-tu trouvé cette clé? Peu importe, allons-y. Et allez, ça commence déjà à faire des cachotteries. Ah bravo. Alors que combat. Pris par surprise. Oh, il a riposte qui tape à zéro, génial. Ah, moins bien. Faudrait que... Faudrait que je me mette en semi-actif. Putain, elle tape fort avec son bâton. Attendez, je veux juste qu'elle se soigne. C'est un octokraken, l'ennemi. Oh, 3 level up, on se met bien. Regarde juste du coup en termes de vie. C'est combien une potion? On sait pas le combien ça ramène. D'ailleurs en termes de mana, j'en suis où? J'en suis à... Ok, 7 sur 29. Par sort. Faut que j'ai level up. Donc là, ça doit être le fameux monstre qui était enfermé grâce au cristal. Qu'est-ce que... Oh non, le monstre du canal. Tonnerre de Mycidia. Mycidia, ville de FF4. Le gouvernail, il ne répond plus. Le bateau va être aspiré dans le tourbillon.
Syldra, qu'y a-t-il? Attention! Allez, on va le boloss, le monstre. C'est une grosse... comment ça s'appelle? Une grosse crevette. Enfin, mi-crevette, mi-scorpion. It is a big shrimp. Oh, ça fout des grosses patates, hein. Bon, par contre, faudra arrêter de taper toujours le même perso. Et peut-être taper plutôt Faris, qui a son passif de moine, pour être pratique. Faut pas se mentir. Alors que le combat s'est déroulé sans accro. Vraiment... vraiment parfait. Et j'ai gagné une tente. Ah bah non. Mais non, mais comment le bateau a pu avancer du coup? Syldra! Elle n'a rien, j'en suis certain. Elle saura nous retrouver. Et mais comment tu veux avancer? Syldra! Lâchez-moi, j'ai dit! Lâchez-moi, Syldra! Ça n'a pas de sens. Je suis dubitatif. Comment va Faris? Nous devrions le laisser tranquille. Le bateau est en dérive. Je me demande où nous allons nous retrouver. Après, c'est un canal, c'est pas non plus... très large et avec beaucoup de changements de route possible. Faris, Syldra est toujours vivante quelque part. Alors que nous sommes à la dérive. Cette scène n'est pas du tout longue. Oula! Le pont, il a pris cher. Où sommes-nous? La nécropole de l'océan. Un cimetière d'épaves, un nid de morts-vivants. Raison de plus pour sortir d'ici rapidement. Alors attendez deux petites secondes. Est-ce que je peux pas... finalement... dormir? Voulez-vous vous reposer? Oui, évidemment. Je sais même pas si j'étais full life ou pas après le combat du boss, mais je préfère assurer le coup. Non, je n'ai pas accès au coffre. D'ailleurs, il y a un lit dans tout le navire. Oui, ils doivent se serrer bien comme il faut. Alors là-bas, il y a un tonneau. Non. Par contre, il y a de la brume même dans le bateau. Et j'en ai marre que ça soit toujours Bartz qui prenne les dommages. Hein. Bon, là, tout le monde en a pris, à part Faris, évidemment.
Mais au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ah! En critique. Ah, zéro. Parfait, ça. Paris qui gagne 7 PA, contrairement aux autres membres de l'équipe. Il n'y a pas d'autre chemin, nous allons être trempés. Et alors, un peu d'eau n'a jamais fait de mal à personne, allons-y. On peut se noyer aussi, accessoirement. J'ai trouvé 10 000, enfin pas 10 000 balles mais 1000 balles. Alors que nous sommes toujours sous l'eau, hein, évidemment. Ah, l'ennemi un peu plus tanky. Parfait, Bart level up et son niveau de classe augmente aussi. Ah ouais, en fait ouais, c'est ça, c'est le niveau de classe. Tout le monde était niveau 1, à part Faris qui était niveau 7. Ah bah Lena level up aussi, Galouf aussi et Faris. Pas du tout, je comprends rien. Et on va tous les cramer. Ouais. Ouais, Faris qui tape fort. Hein. Ah non, le truc de PA, c'est combien il manque de PA avant de level up. Oh mais genre, l'ennemi il prend pas la magie. Alors que Faris n'a plus de vie. On va devoir le perfuser à base de potions. Ok, ça donne 50, une potion simple. Ah, j'ai plus de potions. Démerdez-vous. Et une potion, donc finalement il me reste quand même une. En tout cas on dit bravo à l'apnée de notre personnage. Ah, je suis trempé jusqu'aux os. Cet endroit me semble sûr. Reposons-nous un peu. Je suis chaud. Bon, j'ai utilisé des potions et tout, hein, mais bon, c'est pas grave. Je vais me changer, n'essayez surtout pas de regarder. Bah si du coup. Essayons de faire sécher nos vêtements. Tous à poil et on se caresse. Ne vous en faites pas pour moi. Et qu'est-ce que tu racontes, mon garçon? Tu vas attraper une pneumonie. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Non, arrêtez!
Quel est ce vacarme? Ouah, Lena, il sait. Mille tonnerres, c'est une femme, et j'avais raison. Est-ce que ça change? Ça vous pose un problème? Bien sûr que non, mais pourquoi nous l'as-tu caché? Pour devenir capitaine pirate. Les pirates m'ont recueilli quand j'étais petite et ils m'ont élevée. Et alors? Tu voudrais vraiment être la seule femme sur un bateau plein de pirates? Ah, je savais bien que tu étais trop jolie pour être un homme. Pff, si vous vous moquez de moi parce que je suis une femme, vous allez le regretter. Entendu. J'espère que vous avez compris. Bon, je vais me coucher. Et pas avec tes vêtements mouillés. Tu veux mouiller les draps?